Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on va faire la page 4 et la page 5 de notre album. La page 4 et la page 5, on va les faire ensemble parce que c'est deux pages très très simples qui sont des pages miroirs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est côté gauche et l'autre qui est côté droit. Vous allez comprendre tout de suite. Je vous bascule sur mes mains. Voilà. Page miroir, c'est-à-dire que la page 4 s'ouvrira comme ceci, avec dedans une petite, un petit panneau comme ça. Et la page 5 s'ouvrira dans ce sens avec le petit panneau comme ça. Donc elles sont identiques mais sans s'opposer. Voilà. Alors on y va. La page 4 tout d'abord. Alors c'est celle-ci. C'est normal. C'est celle qui est tout à fait au fond. Voilà. Voilà la page 4. Donc le fond, toujours pareil, les dimensions 15 sur 15. 14,5 pour la déco. On va les laisser de côté parce qu'autrement je vais refaire la même bêtise que la dernière fois. Ensuite, vous avez ici du 9,5 sur 8. Avec un pli de 1 cm ici. Voilà. Alors en noir, moi j'ai mis noir parce que j'avais... si vous avez du noir, du blanc de l'autre côté, vous n'avez pas besoin de cacher... moi c'était pour cacher l'autre dessin. Hein, c'est pas pour autre chose. Voilà. Donc, celui-ci qui va venir de ce côté, vous voyez, comme ça. Et alors après, hop, ça c'est prêt. Une fois collé et tout, là, vous avez fait ça. Alors du coup, vous n'avez pas besoin de coller si vous avez du blanc, quoi. Alors, à nous. Alors, ce côté. Là, je sais. Ah oui, d'accord. Il y en a un autre qui s'est glissé. Hop, le voilà. Donc, nous avons... en papier noir, c'est toujours le noir de chez Action, hein. Vous savez, les papiers épais de l'album Action, de l'album, de la collection comme ça, là, de chez Action. Hein. Je vous le dis pas à chaque fois, mais comme je vous ai dit au départ, c'est toujours le même. Hein. Donc, 12 sur 15. Voilà. Et sur les 12, vous faites un pli. Voilà, le petit pli de 1 cm sur les 12 cm, vous prenez, clac, vous faites un pli. Voilà. Ensuite, la déco, ben, vous prenez normalement, si je me trompe pas, c'est du 14 sur 11. Non, c'est pas vrai. Vous voyez, c'est heureusement que je regarde. C'est du 10 sur 14. Voilà, 10 sur 14. Que vous mettez ici, on va coller tout de suite. Bon, je colle pas tout avec vous parce que de toute façon, vous savez ce que c'est de mettre de la colle sur un papier et de coller. Hein. Donc, on colle pas tout ensemble, hein, c'est pas la peine. En fait, toujours attention donc au dessin. Voilà. Alors, si je trouve dans tout ce bazar, parce que alors moi à chaque fois quand je m'installe il y a toujours un bazar, je vous dis pas. Voilà, voilà. Donc ça qui ira là, vous voyez, de ce côté comme ça. Donc ça se mettra dessous. Et ça par-dessus, voilà, comme ça. Mais moi j'ai décidé, vous savez, moi et mes idées, j'ai décidé de faire un petit rebord en dentelle comme ça pour camoufler, parce que je vais mettre un aimant là. Je vais le mettre tout de suite d'abord, et pour le camoufler je vais mettre ma petite dentelle. Hein? Alors, si j'avais été plus intelligente, vous voyez,
Quand je réfléchis pas, c'est ça que ça fait. Comme moi, je réfléchis pas souvent. Voilà. On a. Hop. Si j'avais mis un entier, ça aurait été mieux. Mais bon, ça c'est moi. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Vous commencez à me connaître. Hein. Ceux qui me connaissent pas, vous savez, vous verrez avec le temps. C'est facile. Quand il y a une bêtise, c'est pour moi. Hein? Là, il y en a qui arrivent avec des petits trucs à soulever, moi j'y arrive pas. Donc, on va mettre la dentelle ici, vous voyez, ça va faire très joli. Et une fois que la dentelle est mise comme ça, vous voyez, regardez, ça va faire très joli. Je vais pouvoir couper ce qui dépasse. Hop, voilà, hop, si j'y arrive, j'ai des ciseaux, mais il faudrait qu'ils coupent un peu mieux, ça serait bien pour la prochaine fois, il faudra que je pense à les aiguiser un peu. Vous savez, je vous avais donné l'astuce, je crois, hein, pour les aiguiser comme il faut, mais je ne le fais pas, du moins, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est fait. Je vais mettre par-dessus. Ou juste en dessous. Parce que pas trop dessus. Hein. Alors, un petit peu dessus, mais pas trop non plus. Voilà. Je vais mettre encore un petit bout. Un bout de. De double face, voilà. Là. Voilà. C'est pas normal que j'y arrive pas. Donc, on va enlever ça. Qui servira pour plus tard. Et on va prendre deux rangées de brillants pour mettre par-dessus et bien camoufler comme ça l'aimant. Comme ça, on sera tranquille. L'aimant sera vraiment bien camouflé. Alors, d'habitude, je fais ça hors caméra. Je prépare. Mais là, je n'avais pas préparé. Sincèrement, je pensais bien ne pas en mettre. Et puis, je trouve quand même... J'ai bien réfléchi. Je pense que ça fera quand même mieux avec les petits aimants comme ça. Les petits trucs comme ça. Ça fera plus joli quand même. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, ça dépasse. Donc, je vais les couper. Voilà, voilà, ça fait quand même plus joli et ici on pourra mettre une jolie photo. Voilà, donc ici on va faire comme ça. Donc l'on met, attention, on met d'abord le petit. Voilà, donc là. D'abord, on va poser les aimants parce que autrement, je vais encore me tromper avec l'aimant. Voilà. Là. Voilà. On va mettre un morceau comme ça. Là, on met l'aimant. Ça. Hop. Là.
ici. Attention, mais bien bord à bord, hein, surtout. Voilà. Là. Et normalement, votre aimant, il est mis. Voilà, il est mis. Ça y est. Eh ben, voilà, j'enlève l'opercule, là. C'est fait. Ici, on va mettre de la colle. Hop. Pour coller la déco sur le fond. Voilà. Allez, hop. Comme ça, la déco sur le fond. Là, voilà. C'est comme ça. Voilà. Là. Bon, j'aurais pu mettre derrière aussi, hein, comme j'ai fait la première fois. Mais bon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de mettre comme ça. Donc, mais bon. On peut mettre derrière, hein, c'est pareil. Hein. Donc, je crois que je viens de me tromper. Mais évidemment, hein, c'est logique. Hop, heureusement que je viens de m'en apercevoir assez tôt. On remet vite dans le bon sens. Oh la vache. Heureusement que c'est de la colle qui colle pas instantanément. Hein. Avec moi, il vaut mieux pas. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, comme je suis débutante, je prends cette colle-là de chez Action. Elle est très bien. Parce qu'on peut, vous voyez, on peut décoller, recoller. C'est très bien. Donc, celle-ci, ça va se mettre en aimant là. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. Alors là, c'est pareil. Il faut essayer de centrer, voyez. Alors, vous essayez de centrer. On met du double face. Donc, toujours attention au dessin. Voilà. Et à peu près. Moi, je ne suis pas à un centimètre près. Hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mesurer. Hein. Moi, je ne le mesure pas parce que je ne suis pas, comme je vous dis, je ne suis pas au millimètre près ni rien. C'est de l'artisanat, comme je dis. C'est pas. C'est pas non plus. Hein, pour faire rien, je sais pas comment on dit ça, c'est pas un chef d'œuvre, c'est artisanal, hein, donc s'il y a des défauts c'est normal. Pardon, s'il y a des défauts c'est tout à fait normal puisque c'est artisanal. Donc là, ben, vous faites attention aussi au bord, hein. Et vous collez votre double face. Voilà. Alors moi je vais recouper un peu la dentelle qui dépasse ici. Là, voilà. Donc votre page, elle se présente comme ça. Elle s'ouvre comme ça et ici. Vous pouvez mettre une photo là et une photo ici. Et vous pouvez mettre une photo là aussi, hein, voilà. Et elle se ferme comme ça avec les mains. Donc ça, c'est la page 14 qui est comme ceci. La page 15, tout bêtement, puisque c'est une page miroir, va se présenter. Alors attendez, je vais vous montrer. Va se présenter dans je me trompe. Dans ce sens. Attendez, je réfléchis en même temps là, je sais plus là. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens. Ça, c'est tout moi. Et elle va se présenter dans ce sens. Comme ça, elle va s'ouvrir. Hop là. Si j'y arrive. Ah oui. D'accord. J'ai oublié de refaire le pli.
Alors, c'est exactement les mêmes mesures. Hein. Vous reprenez les mêmes mesures que j'ai fait pour la page 14, là. Vous prenez les mêmes mesures, sauf que vous changez de côté pour les plis. Voilà. Là, c'est pareil. Au lieu d'avoir le pli à droite, vous l'avez à gauche. Voilà. Et hop, on prend comme ça. Et ça sera en miroir. Voyez, hop, une qui s'ouvrira comme ça et une qui s'ouvrira comme ça. Je vous retrouve, je l'ai fait et je vous retrouve. Là, voilà. Donc, on a fait ensemble la 14. Voilà. Donc, l'on a fait ensemble. Voilà. J'avais mis les mains donc dessous ici et dessous ici. Et sur celle-ci, j'ai mis les mains ici. Donc là, c'est ça. Et ici. Voilà. Voilà. Vous avez la 14 et la 15. Donc, c'est deux pages identiques, miroir, parce que on peut les regarder dans un miroir. Voilà. Elles se mettent de côtés différents. Voilà. Voilà. Alors, nous allons arriver à la page 6. La prochaine fois. Donc, la prochaine fois, oui, on a... Oui, la page 6, c'est bien ça. Je réfléchissais, c'est ça. Allez, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis à très vite pour un autre tuto d'une autre page, la page 6. Allez, bisous. Et n'oubliez pas, hein, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Allez, bisous.